Bienvenue sur Vision E-Tech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, petite vidéo assez sympathique des nouvelles mises à jour iOS, les nouvelles mises à jour HomePod, et on va pouvoir maintenant ressentir des vibrations dans la main lorsqu'on va partager. On avait déjà une première vibration haptique qui nous tapait dans la main lorsqu'on partageait notre musique de l'iPhone à l'HomePod, mais maintenant on va ressentir à distance toute une série de vibrations au fur et à mesure qu'on s'approche. Je vous montre ça tout de suite dans cette vidéo. C'est parti les amis. Voilà donc, ça y est, la mise à jour pour les HomePod est sortie hier soir en même temps que la version iOS 14.4 finale. D'ailleurs, n'hésitez pas, abonnez-vous puisque je vais vous faire une vidéo sur les dernières nouveautés par rapport au transfert. Alors tout simplement, ce que vous êtes en train d'entendre, c'est le moteur de notre iPhone. On ressent des vibrations dans la main lorsqu'on s'approche du HomePod. Alors plus vous approchez du HomePod et plus les vibrations sont rapides. J'ai posé l'iPhone sur le bureau pour que vous puissiez entendre les vibrations, mais en réalité vous les sentez juste dans la main. Alors ici, en fait, l'avantage c'est que lorsque je m'approche de mon HomePod, il y a de la musique qui est en cours de diffusion sur celui-ci. Si j'appuie tout de suite sur cette notification qui m'a été envoyée par mon HomePod, regardez ce qui se passe. Alors c'est une petite notification que vous avez sur le haut de votre iPhone. On entend ici HomePod 2 et on entend par exemple le titre de la musique qui est en cours de diffusion. Si je tape sur cette notification, à cet instant j'ai instantanément le lecteur qui se lance avec la vignette de l'album qui est en train de passer sur le HomePod, et j'ai les boutons de lecture. Lecture. J'ai donc les boutons d'avance rapide, retour rapide et lecture. Piste suivante, volume 26%, ajustable. Barre avec un doigt pour ajuster la valeur. J'ai même accès au volume, ça c'est plutôt cool. On peut s'apercevoir que l'album se met instantanément sur l'iPhone. Alors si j'éteins l'iPhone, le lecteur média s'échappe automatiquement. 13h20. Malgré que je sois sur l'écran non déverrouillé, regardez ce qui se passe. J'ai quand même, comme vous voyez ici, je suis à peu près à 20-30 cm de mon HomePod. Et l'iPhone vibre dans la main pour m'indiquer que je suis très proche du HomePod. Et l'album sur mon iPhone est lancé. Keeping secret. Alors attention, cette fonctionnalité n'est accessible qu'aux iPhones capables de gérer la puce U1 qui est donc dans les HomePod. Voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsqu'on va approcher notre iPhone, ici regardez, je suis loin, le HomePod fait une petite lumière. Alors, j'approche mon iPhone et regardez, plus je l'approche, plus la lumière s'accélère. Voilà donc, en plus d'avoir une notification. Voilà donc pour la mise à jour des HomePod. On a maintenant l'haptique de notre iPhone qui se met vraiment en, qui s'est vraiment mis en place. Et suivant la distance, on a donc des effets de lumière et des effets haptiques dans la main pour savoir qu'on est très proche d'un iPod. Alors je trouve ça assez sympathique. Pourquoi ? Puisque lorsqu'on peut être malvoyant, on peut savoir simplement en approchant l'iPhone qu'on est près d'un HomePod. Sans souci. Alors bien sûr, le passage de la musique de l'HomePod à l'iPhone et de l'iPhone à l'HomePod se fait maintenant très simplement, et ça c'est super génial. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette mise à jour pour les HomePod. Surtout n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre les nouvelles technologies iOS. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut à tous.